Jacques Dutronc a donc fêté ses 80 ans cette semaine du côté de la Corse, là où il vit depuis de très nombreuses années. S'il parle souvent de François Sardy dans les interviews qu'il donne, ils ne vivent plus ensemble du tout, même s'ils sont restés mariés. Aujourd'hui, il partage la vie avec une certaine Sylvie Duval, maquilleuse professionnelle qu'il a rencontrée pour la première fois sur le tournage du film Place Vendôme. Très discrète, les apparitions de Sylvie se font rares au bras de Jacques Dutronc. Les seules fois où Sylvie a accepté de se dévoiler aux côtés de l'acteur, c'était lors de la 30e cérémonie des Césars et dans le documentaire Un jour, un destin qui lui était consacré il y a maintenant quelques années. Lors d'une interview qu'il avait donnée au magazine Gala, Jacques Dutronc avait dit au sujet de sa nouvelle compagne « Elle est belle, débordante d'énergie, toujours prête à sauter dans un avion pour le rejoindre et capable de cuisiner, réparer un toit, rempailler une chaise, édifier un muret, peindre, coudre, mille autres choses encore. Il m'arrive de blaguer en disant qu'elle sait tout faire, sauf des chansons. » On le voit, Jacques Dutronc est très amoureux de sa nouvelle compagne, ce qui ne l'empêche pas d'être resté très proche de François Sardy. Une leçon de vie que devraient prendre certaines personnes qui se déchirent lorsque la séparation arrive.